que je remercie beaucoup de son invitation. Nous sommes comme ça dans un dialogue par ce genre d'événements interposés souvent. A fait référence à une analyse que j'ai menée du discours de la chaîne de télévision Canal J, qui s'adresse essentiellement aux enfants et aux adolescents. Après ça, j'ai fait une démarche, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, contre le projet de télévision pour bébés, Baby First, démarche qui a abouti, puisque relativement, je dirais, grâce au SIEM, qui est une association qui rassemble la Ligue de l'enseignement, les fédérations de parents d'élèves, l'UNAF, etc. Le CSA a finalement imposé à la chaîne Baby First, qui émet depuis l'Angleterre et qui est Fox TV en réalité, c'est la chaîne de Bush, la télévision, le canal de Bush, a imposé un bandeau obligatoire avant chaque émission indiquant aux parents la dangerosité d'exposer les enfants à la télévision à moins de 3 ans. Bon. Si je vous en parle là, c'est aussi parce que le 6 décembre prochain au Théâtre de la Colline, nous organisons Ars Industrialis, qui est une association que j'ai créée avec des amis, et le SIEM, justement, toute la journée au Théâtre de la Colline, de 10h à 17h, une grande rencontre sur la place de la télévision dans la société, aujourd'hui et demain, et en particulier dans le contexte du débat sur l'audiovisuel public et son rôle dans la société. En gros, notre argument est de dire le problème, ce n'est pas l'audiovisuel public, c'est la télévision en général. Et on ne peut pas traiter le problème de l'audiovisuel public si on ne traite pas le problème de la télévision en général. Donc voilà, je me permets de vous le signaler, car évidemment, vous êtes bienvenus. Ça se passera dans la grande salle de la Colline. La question que l'on pose sans cesse en ce moment, appelons-la la question du père, de sa déliquescence, de sa vacuité, de sa caducité et de la nécessité, disent certains, d'en restaurer la figure. Question que l'on pose dans un climat de malaise, dans la civilisation, extraordinairement frappant. Je crois que jamais la civilisation n'a connu un tel malaise, parce qu'il est mondial aujourd'hui. Cette véritable question que l'on pose sans cesse d'une manière conceptuellement très insatisfaisante, à savoir la question de l'autorité et de son effondrement, que l'on rapporte donc en général à celle de la figure du père, cette question est aussi insatisfaisante d'un point de vue strictement théorique qu'elle est proprement inacceptable d'un point de vue que je dirais provisoirement éthique. Insatisfaisante sur le plan théorique parce qu'elle suppose que le père est la structure transcendantale du sujet désirant que nous sommes, nous, en tant qu'êtres désirants. Nous sommes assignés à une loi qui constitue une économie, l'économie de la libido, économie qui se concrétise en un surmoi, et cette question du père présuppose, telle qu'elle est mal posée à mon avis, présuppose que le surmoi nécessiterait, pour se constituer l'autorité donc d'un père, ce père étant une figure génitrice biologique, tirant son autorité du fait qu'il est supposé m'avoir engendré. Or, il se trouve qu'il existe énormément de formes sociales où les mécanismes d'autorité, l'autorité du vrai, du juste, de l'être aimé, et je parle ici d'aimer un paysage, un mode de vie, un métier, aussi bien qu'un congénère, il existe donc énormément de formes sociales où les mécanismes d'autorité se constituent sans cette figure de père. Où il y a par exemple des figures matrilinéaires de l'oncle, tout ça est bien connu, pardonnez-moi, où il peut même ne pas y avoir de telle figure de cet ordre-là, c'est-à-dire fondée sur les liens du sang. Le père n'est que la figure historique récente et monothéiste d'une différence intergénérationnelle beaucoup plus ample et généreuse, je veux dire géniale, d'un point de vue symbolique, au sens strict de ces mots, génie et générosité. Différence, c'est-à-dire qui donne quelque chose. Différence intergénérationnelle très diversement constituée à travers les diverses formes de société et dans laquelle peut se former ce que j'appellerais une amitié intergénérationnelle, dont la famille patriarcale est évidemment l'un des grands foyers,
notre foyer originel, si je puis dire, à nous les Occidentaux, mais uniquement un des foyers historiques. La véritable question, c'est que dans cette différence intergénérationnelle se produit ce que Maurice Blanchot appelait une courbure, une asymétrie. Mais cette asymétrie n'est pas du tout fondée par une paternité. La paternité est fondée sur cette courbure, mais la courbure n'a pas besoin de la paternité. Sans cette courbure, en revanche, il n'y a pas de lien d'autorité possible. Telle est la première raison pour laquelle je dis que je ne suis pas théoriquement satisfait par le caractère transcendantal de la figure du père dans l'économie psychique libidinale. L'autre raison qui me conduit à poser ces questions, c'est qu'il y a aujourd'hui une immense masse d'enfants et d'arrivants, de bébés et d'adolescents, mais aussi d'adultes infantilisés, qui ne parviennent pas à devenir adultes, une masse qui est aujourd'hui la majorité de ceux qui existent, qui sont sans père, orphelins, et qui, dans cette situation, ont bien du mal à exister. Alors vous allez me dire, mais ça confirme précisément que le père leur fait défaut et qu'ils ont besoin du père. Eh bien non. Ces figures ont besoin d'une pensée, d'un soin, d'une bienveillance, et ce sont les figures de ceux qui n'ont pas de père, même quand ils en ont un. Car le père, précisément, n'est pas constitué par le fait d'être un père, mais par le droit que fonde un lien intergénérationnel où une courbure donne une autorité au père ou à une autre figure symbolique.